à tous, c'est le retour des grandes lines. Et oui, il y a Trécor, il est là. Il m'avait manqué. Toujours là. Moi, j'étais parti, bah, oui. Pour ça. Ça fait longtemps, on s'est promené, tout ça. Voilà, il y a eu promenage, il y a eu kiffage. Mais bon, voilà, on est allé poser les boulettes sur Snap. Maintenant, on parle de One Piece, les gars. Retour à One Piece, parce que One Piece, en plus, la Maldive, il va y avoir plein de choses. Là, on rentre dans la saison, là où ça va enchaîner. Hein. Moi, j'ai raté un week-end. Toi, tu vas prendre un petit peu de retard. Ah ouais, non, pardon, tu parles du week-end dernier. Je suis en fatigance, et là, il y a X milliards de trucs qui se sont passés. Alors, on va essayer de ne pas oublier trop de trucs, mais il se peut que des trucs qu'on se souvienne en plein milieu de la vidéo, on a dit « Ah oui, c'est vrai ouais. !» Alors, ça peut être comme ça, potentiellement, il y a un Grand Line 6.5 qui sort à un moment, on ne sait pas. Les oublis, hashtag les oublis. Hashtag les oublis. C'est le monde, le rattrapage, le territoire oublié. Il y a sûrement un truc comme ça dans One Piece, tu vois. On va appeler ça Thriller Bark, tu vois. Il y a que des infos mortes dedans, tu vois. Du coup, premier truc, c'est côté tournoi, il y a plein de choses. Alors, première chose, c'est pas le bon asset, mais c'est pas grave. On dit bonne chance à tout le monde parce que ça y est, on rentre dans le dur dans la saison des régionaux. One Piece avec ouais. Bah, on a Toulouse ce week-end, donc bon courage à tous ceux qui vont y être. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de Français ou pas, vu que c'est en France, on verra, mais le fait est que ça avait été très demandé, on n'oublie pas, enfin, tous les tournois sont très demandés, hein. Donc Toulouse ce week-end, deux semaines après Volvi, l'Allemagne, trois semaines après, et on y va ensemble, Birmingham. Alors attention, trois semaines après l'Allemagne, c'est-à-dire qu'on n'est pas genre oui, voilà. Non, c'est à chaque fois, c'est après on la... fait des pauses, hein. Voilà, bon, ça va enchaîner quand même, hein, mine de rien. Ouais. Parce que moi j'ai la chance de pouvoir faire les trois, donc ça va enchaîner. Ah, tu vois, on a fait et... toi tu vas à Toulouse, moi je suis allé jusqu'à Genève, c'était loin. Mais moi c'est parce que j'allais à Toulouse que j'allais sauter Genève, malheureusement. J'aurais bien voulu le faire aussi, ça avait l'air vachement cool, quoi. C'était cool. Et du coup, Volvi, et trois semaines après Birmingham, potentiellement, il y a autre chose. Il y a eu l'annonce d'une Treasure Cup! Une Treasure Cup en physique. On se rappelle que Hanovre avait été annulée parce que la DreamHack avait été annulée. Et alors, elle n'est pas encore sur le site officiel, mais vous pouvez le trouver sur les différents Discord. Si vous allez sur le Discord de l'association, sur normalement... Sur Twitter aussi, ça a été annoncé. On a mis un lien. Ouais. Ça a été annoncé sur Twitter par les sites officiels et sur Facebook. Ouais. Moi, je l'ai vu sur Facebook. Oui, je suis boomer, mais quand même, je le dis. J'étais sur Facebook pour aller voir Anarchy. Et j'ai vu, tiens, One Piece. Quand on va le voir sur TikTok, on va bégayer là. Ouais, ça va te faire bizarre. Hein. Du coup, une Treasure Cup, comme on a eu la dernière fois en Allemagne et en Angleterre, en Espagne, à Barcelone. Donc, autant vous dire que la team des Grandes Lines le va s'y inscrire. Bah, nous, on est un peu représentants du Sud-Ouest. Donc, l'Espagne, c'est pas si loin. Voilà. Ça fait quand même un peu de route, hein, malgré tout. Mais. On verra. Ouais, mais tu sais, moi j'ai des pinardiers. J'ai deux pinardiers avec le permis qui sont chauds les deux. Donc potentiellement, on part à 4 en voiture. Alors, je vais pas te mentir, moi je serais giga chaud, mais le souci, je sais pas si t'as vu les inscriptions quand c'est. Ah oui! Pour moi c'est simple, pour toi c'est pas simple. Les inscriptions c'est le 29. Alors attends, ils ont mis le truc, c'est pas encore annoncé sur le site. Ils t'annoncent les inscriptions le 29 là. Je pense que ça peut faire exactement comme le. Je sais plus quel tournoi où ils nous avaient repoussé. Comme l'Italie là où ça a repoussé deux fois. Je pense qu'ils peuvent repousser. Enfin, l'Italie ça a repoussé trois fois techniquement. Ils ont changé de jour, puis changé d'heure, puis un petit délai. Et voilà. Parce que c'est quand même réduit comme temps. Et justement après, en plus. Tu pourrais dire que du coup ceux qui. On va le balancer, c'est samedi à 9h du mat. Oui. Si je dis pas de bêtises. Donc, c'est-à-dire en plein milieu de l'inscription pour Toulouse. C'est ça. Donc, pour les gens qui sont sur place, ils seront en train de. Les gens seront dans la file d'attente. Donc, est-ce que tout le monde va sortir son téléphone et essayer de réussir à avoir sa place? Ou est-ce que ça permet, Volvi, du coup, à ceux qui sont pas à Toulouse d'avoir leur place? C'est pour un peu pour tourner. Pour tourner, oui, mais je pense que. Moi, sincèrement, je pense que c'est compliqué. Alors, après, c'est peut-être moi. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas annoncé sur le site officiel. Ça a été mis sur Twitter, ça a été mis sur Twitter, d'accord. Il y a un site officiel, le truc n'a pas encore été annoncé. On va se le dire. Pourquoi 9h... C'est quoi cet horaire aussi, 9h du mat pour s'inscrire? Je sais pas, on s'est déjà levé nous pour ça, mais voilà. Mais voilà, du coup, les Treasure Cup, c'est... pour le coup, c'est un niveau... C'est censé être un niveau supérieur au... Ouais, plus gros que les régionaux. Que les régionaux. La réalité... c'est que c'est pas forcément vrai. Parce que
Bah, en termes de niveau, ça change pas grand-chose. En fait, c'est les Voilà. joueurs qui sont présents. Oui, mais tu sais, Et en fait, c'était à au chaque niveau fois, de c'est la dotation loterie. et de dotation et du nombre de joueurs. Parce que les régionaux, c'était censé être des events à 250 et les Treasure Cup des events à 500. Sauf que le problème, c'est que là, le Treasure Cup, ça reste un event à 500 et nous, on va en Allemagne pour faire un régio à 1000. Mais c'est moi, je trouve ça toujours pas clair, hein, ce qu'il va y avoir dans ce régio à 1000. Hein. Que ce soit en termes d'organisation de lots, tout ça, parce que les lots, ils donnent la même page que pour les tournois à 256. Si Pas c'est la même possible. si c'est la même Est-ce chose, qu'ils vont faire en franchement, x4? Est-ce j'espère qu'ils vont faire en x1? que. Est-ce qu'on va avoir des currywursts? Faudra se poser Ça la serait question. bien. En parlant de lots, est-ce qu'on enchaîne du coup? Parce que là, il y a des nouveaux lots du coup, Oh, avec celle-là à il est Barcelone. fort. Bah, alors, c'est pas pour Barcelone. C'est pour les championships. Ah, c'est pour les online, les Et pour régions? les online régionales. Ok. Mais ce sera aussi sûrement à Barcelone parce que c'est l'Event Pack 2. Du coup, autre chose qui a été annoncée pour juillet, les régionaux online. Et on en aura en Europe. C'est Red and Red, Parce comme que, d'habitude, qui s'en attends, occupe. petite Oui. transition, oui, parce que du coup, jusqu'à Barcelone, on clôturera l'OP2, et là, on enchaînera sur l'OP3, du coup, c'est ça, hein. Voilà. Le truc, c'est qu'à Barcelone, on n'aura pas OP3? Je crois pas. Je crois que c'est fin juin, et que, je crois que c'est genre le 24, 25, alors je vérifie mon calendrier, mais je crois que ça tombe genre le 24 juin, et que la l'OP, c'est le 20, le 29 ou le 30, un truc comme ça. Tu sais, on avait dit que c'était vraiment le dernier Mais jour de juin. attends, attends, ça sera peut-être. Oh, et Ouais, attends, c'est attends, ça. attends, 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 attends. Barcelone, c'est 24-25 et OP3, c'est le 30. Oui, mais là, c'est la sortie. Mais il y a les pré-releases, frère. Bah, je sais, ouais. Est-ce qu'ils font... Ça serait bizarre de faire le même jour que la pré-release. Imagine, c'est une Treasure Cup pré-release. Ça serait ouf, mec. Imagine, ça serait Ça serait fou. ouf. Tu sais, genre, je sais pas, des règles particulières, mais tu veux que la nouvelle carte, il y a tout un délire. D'ailleurs, oh, wink, wink. On Le enchaîne, format. le mec est malin. C'est qu'ici, il y a écrit Decklist must be submitted for the main event. Et c'est là, et vous voyez, je viens de faire le lien dans ma tête. Et ils disent, dans les rounds BN3, vous pouvez utiliser le side. On s'était dit, comment, mais est-ce qu'on va pouvoir build le side et tout? On commençait à se dire, on va parler, que le violet. Mais s'ils parlent de side, ça existe le side dans One Piece? Dans En les fait, scellés? je viens de capter aussi parce que les gens qui ont parlé ça sur les Discord sont en mode mais ça n'existe pas, est-ce qu'ils ont fait une erreur? Mais si, il y a une règle sur le side en scellé. Mais voilà! Est-ce qu'on vient Donc pas de dénicher le truc en direct? est-ce qu'on vient peut-être de comprendre que genre t'arrives, t'as un certain nombre de paquets, ils te demanderont de faire ta decklist de paquets de triche, ce qui est logique en fait, Oui. hein. Tu notes ta decklist. Mais oui, parce qu'en plus, regarde, decklist will be collected at the beginning of the tournament at the registration counter. Donc ça veut dire qu'ils ne prennent pas les decklists en avance! Pourquoi pas prendre les decklists en avance dans ce monde de Bah, alors, l'internet? C'est peut-être parce que tu fais la decklist sur le moment. Ça, c'est. ça, Volvi, c'est pas clair. Parce qu'à Toulouse, enfin, toi, je vais pas te le rappeler parce que tu as peut-être pas fait gaffe, mais Non, j'ai pas fait gaffe, hein. J'ai pas on fait doit donner gaffe. la decklist. Au début, il disait round 1, puis il disait à l'inscription, et là, j'ai l'impression d'avoir revu que ça serait collecté au round 1. C'est bizarre. Du coup, je suis en mode. Ah. Ok, mais je dis, tu vois, je dis pas que ça veut dire, mais que ça peut être, tu vois, tu vois, Bah, y a pas causalité, mais il y a peut-être ça pourrait corrélation. que. C'est pour pas qu'il y ait de tricherie, genre. Ils font en sorte que, tu sais, ils font un premier pairing comme ça où tu t'assois chacun à sa place. Tu fais ton draft, ou ton tirage de cartes, tu fais ton deck, t'écris tes cartes, et c'est parti, quoi. Et y a un mec, ils viennent collecter les decklists à un moment. Si c'est des génies, tu sais ce qu'ils font? Ils font des cartes stampées pré-release. Bah, Ils font tout un délire, hein. parce que tu sais que dans les gros events, je sais pas si t'as déjà fait des gros events en draft, vu que je sais que t'as joué à Yu-Gi-Oh! Et des choses comme ça, mais c'est pas des Non, events moi, où on fait une draft. les jeux que j'ai faits, il y avait rarement Voilà. des drafts. Moi, quand j'ai Sur fait les gros tournois, en tout quelques-uns, cas. qu'on ait fait quelques-uns des Worlds et des Europes avec des drafts, les paquets de draft, en fait, les cartes sont poinçonnées. Ouais, enfin, ça serait ouf, hein. Ce qui est terrible, Ça parce serait que t'as un poisson giga dans ouf. ta carte, mais la carte est poinçonnée, et du coup tu perds énormément de valeur, les cartes elles valent rien. Mais c'est pour éviter que t'as des mecs qui viennent et Ouais, qui viennent avec des avec des cartes pour cartes oh bah j'ai eu ça, tu vois. pour Et du coup limiter, ouais. elles ont poinçonné toujours à des points différents, tu vois, ça change en fonction des tournois. Mais là, ils pourraient faire mieux qu'un poinçon, c'est-à-dire mettre un petit pré-release, un petit truc, tu vois, comme ils savent si bien faire. Et du coup, là, tu fais le tournoi, les cartes elles valent des milliards. Serait ouf. Ça Eh. serait ouf. On En n'en plus, le sait format, rien, mais on est en train de faire des plans sur la comète. ce serait un peu rigolo en plus parce que tu enchaînes trois tournois un peu en mode évaluation de fin de l'OP2. Et là, c'est le tournoi un peu Ah transition ouais. OP3, quoi. C'est en mode nouvel âge.
Ah, je peux te dire que quand on va voir Asmo en scellé sortir un gros iceberg, ça va faire des ça va faire du mouvement dans le Landerneau. Ouais. Mais voilà, du coup, bah, c'est putain, franchement, peut-être on a un truc Trek. Hein. Non, c'est cool. Et puis Barcelone, sympa. Ouais, Barcelone. Ça change. Oh là là, et Barcelone en juin, et je peux bah, te dire, ouais. Les gars, hein. Moi je le dis, j'en ai rien à foutre, c'est Bof TV. Vous savez quoi, je l'assume. On fait pas l'aller-retour, hein. On reste un peu. Hein. Mais je vais aller à la plage voir des tétés. Hein. Je vais me sortir mon meilleur maillot. Je vais aller voir les meilleurs tétés. Tu vas sortir le Borat, là. Et je vais sortir le beau Borat. Alors, j'en ai un en plus, vous le savez. Oh putain. Et je vais aller me faire un petit plongeon dans l'eau. Hein, on va pas se mentir. Mais du coup, voilà. Autre truc, du coup, Online Régional 2 juillet. Trois dates par Eden Trade et les trois dates qui sont coupées pour essayer de faire rentrer le plus de joueurs, donc techniquement pour essayer de faire jouer 1500 joueurs différents sur la zone Europe. Du coup, plutôt cool. Pas mal. Est-ce que c'est suffisant? Pas sûr. Pas sûr. Parce que c'est même sûr qu'il n'y en a pas assez. Quand on voit qu'ils arrivent à faire rentrer plus de 1200 joueurs le même jour sur des tournois physiques, bah online c'est beaucoup plus. Oui. Clairement. Mais je crois que c'est le problème du jeu, c'est que le jeu est victime de son succès et que les infrastructures pour gérer autant de joueurs, c'est. Bah, c'est un problème. C'est un problème, je pense, là, parce que c'est la première année, tu vois, et qu'ils n'étaient pas prêts pour ça. Oui. Mais clairement, ils ont compris qu'il y avait une demande de ouf et ils sont en train de s'adapter de. Ouf aussi. Franchement, il pousse. Hein. Franchement, je veux pas dire. Au début, on a gueulé, on a dit vraiment. Ah non, mais ça bosse. Ça bosse. Nous, on a toujours dit, et on l'avait dit à l'époque, on les critique, mais si ils mettaient en place tous les processus, on serait les premiers à le dire. Et là, on voit qu'ils sont en train de faire. Il y a eu plein de dates de rajouter, avec des gros tournois, des gros emplacements. Au niveau des objets, des produits, ils augmentent les quantités de produits. Non, le taf est fait. C'est con à dire, mais le taf est fait. Du coup, nous, on est les premiers à critiquer quand il y a un truc qui va pas. Mais quand il y a des trucs qui vont, bah, on le dit aussi. Et là, franchement, on sent que ça bosse. C'est peut-être pas encore suffisant parce que bah, c'est énorme. Mais ça bosse. Ouais. Et là-dedans, du coup, on a l'arrivée de nouveaux lots. Du coup, qu'on voyait en participation, on voit Regional Storage. D'accord. Dunsleeve Black. Ça, c'est nouveau. Golden, c'est pas nouveau. Online Régional Participation, c'est pas nouveau. Duncard Pack Volume 1, c'est pas nouveau. Event Pack Volume 2, ça c'est nouveau. Alors regardez, on va descendre un petit peu. Donc, les sleeves done noirs. Oh, il est stylé en noir comme ça. Moi, ça, j'en veux 50 pour faire un deck avec. Hein. Vous savez à quel point je suis le prince des ténèbres. Oui. Ah, moi, juste pour les done. Hein. Je crois que je vais les prendre juste pour les done. C'est pour... Je dis oui. Les sleeves d'euro, on les connaît. Nanana, le storage dégueulasse, le golden. Voilà, comme d'habitude, on online, c'est le card pack done de 1. Mais du coup, Event Pack volume 2, mon ami Trécor. Ouais. Donc, ils nous font comme la première fois avec l'Event Pack volume 1, où ils nous remettent des promos asiates que nous, on aura du coup en foil, voilà. Toute brillante, toute jolie. Alors, ce réseau, il est creepy. On a ce réseau de la Cripance, hein, qui est le réseau qu'on a, hein, mais qui du coup va sortir. On a le Sasaki. Lui, je l'aime beaucoup, par contre. Le Sasaki déjà aussi. Qui est très 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 beau. Genre, j'adore ce style. Ce style incroyable. On a cette Tsuru. Je suis alors, mitigé. Alors c'est absolument terrible parce que j'ai l'impression que je connais de. Tu vois c'est alors c'est Hisashi Ujiwara si je lis bien Ujiwara. Mais en fait le truc c'est que j'ai l'impression que c'est un personnage de Ghibli. Tu veux que j'essaie de taper le nom pour voir. si tu trouves Hisashi Ujiwara. Hisashi U quoi? H U c'est H I. Oui, c'est H-U-G-J-I-W-A-R-A. Ujiwara. Alors, on va voir ça. Mais je trouve que le style fait très... ça pourrait être un personnage de Shiro. Non, j'ai pas l'impression de tomber... Ah. Mais je sais pas si t'as le même effet comme ça, visuel, tu vois. Ben ouais, en fait, ça pourrait être bizarre. Ça pourrait être une vieille d'Amponio. Parce que la
Mais je sais pas si c'est un problème au niveau de la colorisation de la carte en elle-même ou du côté le fait que ce soit un truc sur internet, tu vois. Mais regarde au niveau du visage, un truc, il y a l'impression que c'est genre que c'est débordé la peinture, que c'est raté. Elle me dérange un peu la Ah carte. ouais, d'accord, je vois ce que tu fais. D'accord, ok, c'est, je Elle pense que pourrait être c'est. belle la carte, je trouve, mais j'ai l'impression qu'elle est ratée. Ah, C'est un peu bizarre. moi, c'est moi, j'aime bien ce style de visage. Ensuite, Oh ouais. là, on a une nouvelle promo. Ça, c'est pas une altarte, c'est une promo. Ouais, Et ce qui, du cher coup, général Francky. on ne sera disponible et jouable qu'ici. C'est le Général Franky. Let's go. Mini Non mais review. Seul isolateur. lui en foil, lui, il va envoyer, hein, Ça parce va, que la carte est belle, hein. ça va envoyer. Du coup, ce Général Franky, pour 2, Pour notre version Zoro de bourrin, là. c'est une 4000 straw hat. Ok, c'est fort. 4000 straw hat, c'est fort. Cette carte a aussi le nom Franky. Pendant le tour adverse, tous vos personnages avec 3000 de base ou moins gagnent plus 1000 de power. Et bah, incroyable carte! Je suis désolé, il est trop fort. J'ai vu des gens Il y a dire de non, l'intérêt, mais. hein. Non, mais. Carte Bah, nulle, Franky et tout. Attendez, elle est parce que surprise, moi, pour hein. moi, les 4000 pour 2, c'est de base! Elles ont rien écrit dessus! C'est des bonnes cartes! Lui, c'est un Straw Hat et il a un effet! Alors peut-être que Mais l'effet, il est pas ouf, mais il a un effet! attention, on va lui quand même, parce qu'il perd le counter. Et Oui! ça peut être embêtant. Il perd le counter, mais il gagne le swag! Je gagne le swag, ouais, Attends, carrément. je veux dire, ta Vivi et ta Sai, d'accord, mais quand tu vas dropper des Général Franky avec ton Ah Zoro, tu non, vas être plus content, hein. mais Zoro T2, c'est parti, hein. Parce que, et on s'en disait, hein, si on pouvait mettre plus de T2 à 4000, on en mettrait, bah peut-être que, voilà. Ouais. Du coup, très très cool ce Général Franky. On a le Monkey D. Luffy Shonen Grand Jump. classique, ouais. Et alors lui, je le veux, s'il vous plaît. Voilà, si vous voulez me faire un cadeau, envoyez-en-moi. Envoyez-moi tout. Genre, elle est trop cool, j'adore ce. C'est surtout que j'adore ça, parce qu'il y a l'équipage de Shanks, il y a une Nami, tu vois. On s'en Ah fout, mais c'était le premier c'est chapitre, on n'en vraiment sait foutre rien de c'est ce qu'elle allait ça. avoir dans le manga. C'est le côté old school là, vraiment. Il faut comprendre que cette carte est en fait à l'effigie de la première édition de One Piece dans le Jump. C'était comme souvent quand un manga commence, il a le droit à une couverture. Et du coup, la couverture du Jump dans lequel One Piece a commencé, c'était cette couverture-là. Et du Et en coup, plus, ce voilà, qui est c'est. beau, c'est qu'ils ont mis le stamp 25 ans, du coup, tu vois, en Voilà, bas à il y droite. a le petit stamp One Piece Avec 25 ans. le Shanks et le Luffy. En plus, Ouais, il était giga... Même le stamp en lui-même est giga le stylé, stamp, quoi. il est méga stylé. Qui lui aussi est une nouvelle carte qui peut être jouée que là, qui est du coup une 5000 pour 4 avec Counter 1000. Activate Man, on peut mettre ce personnage au bottom du deck pour piocher une carte. C'est un Straw Hat Bonjour. bleu. Ah non, non, Nous non, sommes non, en non, vidéo, monsieur. cassez-vous, on enregistre! Monsieur, excusez-nous, nous sommes actuellement pas en Excusez-nous, stream, mais en vidéo. voilà, on est en train Bonjour. de. Je n'ai pas vu. Bonjour, Voilà. fantasque. Bonjour. Ouais, du coup, l'effet, on s'en bat les couilles un peu, non? Non, sur le fil, il est pas ouf. Mais Ouais, alors, mais. il a un intérêt, c'est qu'il peut taper et après repartir, tu vois. Ouais, Mais tu peux taper et repartir, mais à mon avis, surtout, il t'as a plus envie. d'intérêt. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui vient de repartir. Il s'est fait, il est arrivé, il a tapé, il est reparti. Et du coup, Sanji pour 3, c'est une 4000. Lui aussi, c'est une promo. C'est une carte jaune. Il a Counter 1000. Donne 1 pendant votre tour. Si vous avez 2 cartes de PV ou moins, ce personnage gagne plus 2000. C'est du coup un T3 qui peut taper très très fort. Il est beau, voilà. C'est tout, on s'arrête là, juste il est beau. Il a Ben peu non. d'intérêt, parce que globalement, en gros, il a une condition pour rattraper le fait qu'il ait 1000 de moins de base, en fait. Donc, je suis pas giga fan de ce genre de carte. Je préfère jouer une 5000 Vanilla, de manière générale. Le gros problème, c'est que tu vois, en plus, il a un trap qui sert à rien, quoi. Parce que c'est un Sanji passe droite. Tu vois, donc même dans un futur où tu Non, non, peux. non, non, il a un intérêt, Volvi. Il a un intérêt parce qu'en fait, il y a des cartes qui tutoient Sanji. Tu Ah sais, oui, dans non, toute la oui, non, mécanique oui, t'as. Oui, Big t'as. Mom, t'as Big Mom plus Sanji, en fait. T'as sa meuf, là. Ouais. La fille de Big Mom, là, effectivement. J'allais dire Oui! Charlotte, mais c'est tous des Charlottes. C'est Oui, c'est Charlotte, tous je des sais Charlotte. pas. C'est Charlotte. Ah, je l'ai plus. Bref. Mais voilà, c'est les nouveaux trucs. C'est très très cool. C'est pas On est parti. Pudding? Pudding, peut-être, ouais. Pudding.
Très très cool, très très joli. Voilà. La carte est magnifique et c'est pareil. Là, on peut penser que donc au Japon, en effet, comme tu disais, c'est des cartes normales. Voilà. Et nous, elles sont toutes foil, donc elles vont être incroyables. Donc on a ces cartes-là qu'on connaît Bah, elle est déjà. là. C'est Voilà, Pudding, c'est c'est elle. Pudding. Alors, c'est pas cette Mais carte-là précisément, mais c'est elle. autre info, c'est que les gens qui vont en finale, etc., vont avoir les Alors, Mother fucking je suis surpris par contre par un Amiro. truc. Avant les Amiraux, nous avaient présenté le Shanks et on n'a toujours pas le Shanks, nous serons encore des Luffy. Oui, On n'a pas mais fini avec les 700 Luffy, c'est ça? on n'a pas fini avec les 700 Luffy. Mais parce qu'en fait, je crois que ils ont juste sauté une étape. Genre les Zoro Queen, tu vois. Il n'y en avait quasiment pas en fait. Queen et Zoro, c'était un truc spécial. Tu sais, c'était des machins Fiesta, mais c'est vrai qu'on ne les a pas eu au final. Oui, mais c'était pour les trucs du même acabit au Japon en fait. Parce que tu sais, c'est ce bord noir doré là, tu vois, qu'ils avaient pareil le Zoro, tu Ouais, vois. je vois C'était ce que tu veux dire. le même tiers de trucs pour les mêmes Ah, tiers de c'est dommage récompenses. parce que le Zoro, c'était quelque Mais chose, quand ils le même. sortiront peut-être pour un Queen autre truc, hein. aussi. Ouais. Mais c'est juste que là, ils essayent de rattraper. On voit toujours cette envie de rattraper. Le Borsalino, le Kusan et le Sakazuki, s'il te Oh plaît, là là fais-moi là là. l'amour, Sakazuki, doue-moi, putain, doue-moi, Toi, Saka. t'es team Sakazuki, toi? Oh là là. Non, moi, c'est le Kusan, mec. T'as vu le Kusan? Ah là là, non mais tout, mais tous le Borsa, Le tout. Borsalino. Je dirais Oh, qu'ils sont tous. ils sont monstrueux. Et du coup, qui vont être donnés. Donc, mine de rien, ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont assez larges. Je crois que c'est 128, 64, 32. Ouais, c'est Ou ça. sinon, ou peut-être. Ou Attends, on va 64. voir. Hop, on va aller voir. Oui, bip, bip, Je crois qu'il y en a un bip. qui arrive assez tôt. C'est Non, c'est 64 pour 64. Borsalino. 64, 32, 16. Donc, 32-16, ouais. 64 qui correspondait bah, rien du coup, parce que Chopper c'était 32, non? C'est Avec ça? toujours Je pense l'invitation que c'est 64 Chopper. Je dis des bêtises, ouais. 64 Chopper. Toujours Donc en l'invitation fait, pour les nationaux. pour l'Amérique. Que nous, on n'aura pas. Ouais. Voilà. C'était un petit peu l'actualité du tournoi, mais maintenant. Trek. Des cartes, des cartes. Raté. C'est le retour des previews. Attends, mais t'es pas sur la bonne carte en plus. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai dit raté. Rien qui va. On avait fini sur Otama, et là on va parler encore un petit peu Voilà. des nouvelles cartes. Ça va pas durer longtemps, les gens, hein. Ça va durer quoi? Une demi-heure? Comme les 15 ans. Du coup, on a Black Maria qui pour 3 est une 3000 en bleu de chez Animal Kingdom. Qui dit Activate Main pour 2, vous pouvez l'engager, piocher une carte et elle a counter 1000 et trigger. Je ne comprends pas. Enfin. Quand elle tombe, on va pas spoiler. Mais quand on est à ce stade-là, qu'on nous révèle les cartes une par jour, on voit ça arriver, on se dit ok, mais un peu nul. Oui, non, on verra même le truc, mais même quand on verra le truc, enfin. Non, il y a des intérêts, Valvi. Oui, non, Mais mais il y a là, des on est intérêts, mais c'est. d'accord que ce qui est dur comme comparaison, c'est quand tu vas comparer ce genre de cartes à des cartes comme Bonnie, Momo, Mais qui vont faire pareil, Et qui est des cartes que je tu peux vas jurer jouer, que que tu vas tu vas dire qu'il y a engager. des intérêts, mais même après, je vais te dire que c'est dur à comparer. Je veux dire, c'est pour deux, tu pioches une carte. C'est. Pour deux, tu pioches une carte. Les autres, c'est des tuteurs pour un. Là, en Alors, fait, c'est pour cinq. Volvi, entre piocher et tuto parmi 5, il y a des fois où il vaut mieux juste piocher. Parce que tu peux pas rater quand tu fais que piocher. Quand tu tutos, tu peux rater. Oui, mais en général, dans l'histoire des jeux de cartes, les cartes qui tuto parmi 5 ou des choses comme ça, c'est toujours les cartes qui ont cassé des jeux. Hein. C'est C'est rarement le cas pas de pioche mal. 1. C'est pas mal, ça peut aller chercher une carte précise, mais ça peut rater. Elle pourra jamais rater. Ça peut piocher n'importe quoi. T'as pas besoin de builder ton deck autour, Non, tu vois. mais bien sûr, t'as Mais. raison que c'est pas on peut pas dire c'est strictement mieux. Néanmoins, avec un Mais là, petit peu d'expérience, tu sais très le bien souci qu'a que. cette carte, c'est qu'elle coûte trop cher. C'est une blinde. Mais bon. Payer 3 pour une 3000, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de d'attaquer et qu'elle sera pas capable de défendre quand elle va s'engager. On va Faudrait qu'elle voir! s'engage pas. On sait jamais! Mais elle a un trigger, lui. S'il Et y ça, a c'est un le truc héros! important. On sait pas, on va voir! Bon. Parce que déjà, il y a un premier héros. C'est Isshō! Isshō! C'est le héros vert noir. J'ai vu que des gens ont dit, oh, vert noir, je veux casser. 4 PV. Donne 1 pendant votre tour. Réduisez le coût de tous les adversaires de 1. C'est une espèce de mini Kuzan. C'est ça. Voilà. C'est mignon. C'est un smoker de zone. Voilà, à la fin de votre tour, pour 1, vous pouvez détape un personnage qui coûte 5 ou moins. Ok. Ok, sympa. C'est simple et fort. Déjà,
première chose à dire, nouvelle couleur, du coup, en effet, vert noir, qui est une combinaison très forte, lui, par contre, oui. Vert noir. Oui. Déjà parce que noir, le gros souci qu'il a, c'est qu'il y a toujours eu un peu ce manque de pioche, qui se vide rapidement la main parce qu'il faut défausser. Ouais, mais vert, c'est pas son problème, lui, la pioche. T'as tout plein de trucs qui font piocher, t'as les killers qui piochent, t'as les bonnies, les momos, les machins, t'as... Du coup, t'as un deck très solide. Ça te fait une giga gestion de board aussi, mine de rien. Ça te fait quoi? On a de la gestion en vert qui gère sur les niveaux des cartes. Ah bah oui. Pour en noir, tu peux les baisser. Genre, par exemple, tu peux dire... Avec lui. Avec lui, typiquement. Ou genre, tu tapes avec un Kuzan, hop, ta créature, elle prend moins 4, je fais X-Ray, je discute ta créature tout de suite. Genre, je pète ton Oden. Wow. Le mec en face, ça lui fait bizarre, quoi. En fait, moi, j'aime beaucoup le héros en lui-même parce que... C'est con, hein, mais je vais dire... Ça transforme toutes tes cartes qui font des trucs en... qui font des trucs par rapport à un niveau en cartes au-dessus. Je m'explique, c'est-à-dire que tout est Neko, c'est potentiellement des ISO pour un... Parce qu'en fait, c'est... Ouais. Tu payes un de plus pour avoir un niveau de plus. Exactement. Mais en fait, tout est Kobe, c'est pour 3, tu tues un T3, ou pour 4, tu tues un T4. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu Zoro, en fait. C'est Zoro pour la mécanique noire. Oui. En fait. Il va t'offrir un palier sur tout le monde. Mais c'est ça, et je trouve que si Zoro, c'était fort, ça a l'air monstrueux. Ouais, ouais, bah Kobe qui va chercher du T4, comme tu dis. Genre ton Sakaz qui va aller chercher du T6. Quand tu vas tuer les, comment ça s'appelle, les Sakaz adverses. Ah bah ça, dans les match-up de noir contre noir, son cœur il avait un gros avantage avec son -1. Bah ouais. Il pouvait faire. Bah là, tu pourras le faire avec ton Pulitora. Et aussi, ce deuxième effet qui est très fort, qui permet de donner un peu l'effet kid qui ressent, quoi. Ah bah, à n'importe qui. Ouais, hein. quand tu vas taper avec tes Borsalino et les remettre. Tu vois, il y a tout plein de gens qui voulaient pas taper, par exemple, avec leur bloqueur. Bah, t'as bien raison, donc tout ce qui va être l'eau, Borsalino, qui était une erreur, faut taper avec vos bloqueurs. Bah là, c'est bon, ils y arriveront du coup. Yep. Ça va être très très cool. Et dernier leader. Ouais. C'est Queen. Alors, je l'avais call. Un poids pour Volvi. Voilà. Du coup, encore un héros bicolore, comme d'habitude. Bleu, jaune. Je trouve que ça fait très joli bleu-jaune. Je sais pas pourquoi. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. J'adore. Mais ça fait un peu penser au bleu-blanc de Magic. Hein, parce que le blanc était un peu blanc-jaune. Ou alors, est-ce qu'on peut dire vive l'Ukraine? C'est vrai que c'est la couleur de l'Ukraine. Voilà. Agneau, si tu me vois. Bon, ça va, j'ai fait mon aide pour la guerre en Ukraine. J'ai payé un sandwich sur un Ukrainien. Eh oh. Bravo, Mali, tu es une bonne personne. Alors, du coup, il fait donne fois 1 quand vous attaquez. Si le nombre total de cartes dans votre main et votre vie est de 4 ou moins, piochez 1. Si vous avez un personnage qui coûte 8 ou plus, vous pouvez mettre une carte du dessus de votre deck dans vos PV à la place. Ouf, alors. Très compliqué comme carte. Très compliqué à imaginer, en fait. Déjà, nouvelle... Trop fatigué pour ces conneries. T'as dit quoi ? Trop fatigué pour ces conneries. Rompissage. Déjà, première chose, du coup, c'est le nouveau bicolore bleu jaune. Jaune, faut penser que nous, on l'a pas encore. Donc, ça peut être dur d'imaginer. Donc, faut bien connaître les cartes. Bleu, on connaît. C'est un truc qui marche bien ensemble, hein, parce que bleu, c'est un truc qui a tendance un peu à gagner du temps. Jaune, c'est un truc qui joue sur les points de vie. Donc, qui peut être capable de tenir très longtemps. Les leaders bicolores, ils ont peu de vie. Donc, 4 points de vie. Enfin, il y en a qui ont 5 maintenant, on a vu. Mais lui, il peut taper au moins. Il a 4. Mais, il y a ce côté, il va pouvoir stall pendant 15 ans, en fait. À chaque fois, en mode, tu me remets un point de vie, tu me remets un point de vie, tu me remets un point de vie. Mais, ça nécessite d'avoir peu de cartes en main et peu de cartes dans les points de vie. Donc, est-ce qu'on va réussir à tenir en flux tendu comme ça ? Tu sais, genre pour stall assez pour à chaque fois pour faire l'effet. Ça semble compliqué, hein. Ça peut être compliqué, mais il faut penser que potentiellement, on a plein de triggers. Genre, typiquement, tu sais, les boas bloqueurs qui peuvent s'invoquer en trigger, les charlottes brûlées qui peuvent s'invoquer en trigger, la Black Maria qu'on a vu tout à l'heure qui peut s'invoquer en trigger, enfin, la pioche aussi. Donc, il y a toute une synergie. Et il faut penser que lui, il prend du dessus du deck, bleu peut trier son deck. Tu peux faire Perona, tu peux faire Doflamingo à 3. Donc, tu peux savoir ce que tu mets dans tes points de vie. Donc, tu peux mettre des triggers qui peuvent être assez clutch, mine de rien. Ouais, ça peut. Ça alors, peut. Tu peux mettre du Jinbei, tu vois, dessus ton deck, tu peux mettre du bloqueur. Mais le truc, c'est qu'en soi, c'est la combo, mais est-ce que c'est l'effet qui va faire le combo ? Pas sûr, tu vois.
est-ce qu'on va pas juste jouer ça et on s'en fout un peu de l'effet? C'est-à-dire, Bah j'ai juste joué ça. on joue bleu-jaune, parce que c'est bleu-jaune, mais Ah mais l'effet du leader est... c'est un bicolore très intéressant. L'effet de leader est très très fort. Bon, faut quand même, alors, il y a quand même une condition, hein. La condition étant d'avoir un niveau 8 ou plus pour ajouter en points de vie. Mais ça, mine de Oui, mais il rien, faut ça avoir... Le truc, c'est peut... qu'il faut avoir 8 ou plus, et en plus avoir un total main plus... plus PV de... en dessous de Ah, 4. mais clairement, ça va t'obliger à Donc jouer un compliqué. deck qui se défend rapidement, tu sais, un peu à la Ivankov, tu vois, qui se défend rapidement, qui va jouer plein de petits bloqueurs. Tu vas jouer des low à 1, tu vas jouer des machins, des trucs qui s'invoquent, des triggers. Et mine de rien, au minimum, tu vas pouvoir piocher une carte par tour, hein, en fin de partie. Parce que tu vas te démerder pour être à 3, 4 cartes. Et il faut penser que des grosses créatures. Alors en bleu, on a Mihawk. C'est un peu tout à l'heure actuelle. Mais en jaune, il y a du monde, hein. Tu sais, la Katakuri, Big Mom. Et c'est des cartes qui te font des points de vie. Genre, t'imagines quand tu vas faire Katakuri, qui va te rajouter un point de vie. Que tu vas taper avec Queen, qui va te rajouter un point de vie. Non, ça peut faire des trucs, hein. Tu vas Ça peut pouvoir faire faire des des trucs. moments où tu repasses à 3 et tous les points de vie, il faut penser que c'est des cartes que tu récupères en main. Donc c'est de la pioche, quoi. Cette Queen, elle fait peur. Par contre, truc un peu rigolo, donc on a une Queen qui peut jouer aucune des Queens qui sont sorties à l'heure actuelle. Bah, si. Oui, la nouvelle Queen bleue Elle là, peut jouer sa qui nouvelle sortira en Queen. même temps. Celle-ci. On est d'accord. Mais je veux dire les cartes Queen qu'on a nous, actuellement. Bah Actuellement, tous oui. les Queens qu'on a, c'est des Queens violets. Bah oui, mais c'est normal, il y a Animal Kingdom avait été conviolé. Du coup, c'est pas mal. Du coup, on a tous les leaders, et tous les leaders sont intéressants, du coup, très très hâte de tester ça. Je commence à me poser la question, est-ce que le truc sur le site de commande du fournisseur était Scamito et qu'il n'y a pas de carte bicolore dans l'extension? Et que c'était que les héros, que ça avait été mal écrit par un marketeur? Ou peut-être qu'ils attendent la toute fin, mais j'avoue que c'est étonnant. Je... C'est bizarre, ouais. Parce qu'on l'avait bien tous vu, hein, et pas que moi, hein, mais bon. Un gros crocodile. Oui, C'est le encore. crocodile. Pardon. Un crocodile en violet. Il coûte 8, il a 9000. Quand vous le jouez, vous pouvez faire donne moins 2. Si votre leader est Barokworks, vous pouvez mettre une carte de votre dessus du deck dans vos PV. C'est du gain de PV en violet. Ça, c'est étonnant, par contre. Et quand l'adversaire attaque, une fois par tour, vous pouvez faire donne moins 1 pour piocher un et discarder un. Ok, ça, c'est un petit bonus. Du coup, leader Baroque Works. Donc, à l'heure actuelle, on en voit deux. Les deux crocodiles, qui sont violet-bleu, et le nouveau de l'extension violet-jaune. Donc, ça fait un gros bonhomme. Du soin dans des decks bicolores comme ça qui ont que 4 points de vie, c'est très très fort. Je, alors, j'avoue que je suis un peu étonné, en fait, de, un peu étonné de ça, mais est-ce que c'est pas la résurrection de Blurple Crocodile? Alors, moi je considère qu'il est jamais mort, que c'est un deck très fort, mais que c'est un deck qui galère parce que les parties mettent 15 ans. Mais oui, mais mec, à Et chaque du fois, coup, si tu l'amènes, on était au bout de sa vie. Mais si tu l'amènes en tournoi, tu sais que tu vas être au time. Donc c'est horrible. À chaque tour, à chaque Ouais, match. mais là, tu vas gagner des PV en plus, tu vois, tu vas être encore Mais plus au justement, c'est time. encore pire. C'est encore Bon. pire. Mais en fait, tu sais ce qui est marrant, c'est que tu sais, t'as parlé des cartes bicolores. Est-ce que lui, ça aurait pas été sur une carte bicolore, justement, violet-jaune? Alors, j'avoue. Parce que clairement, le gain de points de vie, c'est la mécanique jaune. Donc lui, on comprend qu'il a de l'intérêt. Avec Mais le oui, mais crocodile, c'est ça, je tu me peux le dis. remonter, il est juste un peu plus bas. Est-ce que tu penses qu'ils ont abandonné l'idée? Genre, au Ouais, milieu? ils ont abandonné l'inné en chemin. Genre. Parce que clairement, il a la mécanique d'une autre couleur, on comprend pas. Parce que du coup, si les couleurs commencent à tout faire, le jeu il part en couille. Hein. Oui, bah l'identité des classes, hashtag L'identité des classes, hashtag Hearthstone. Hearthstone. Et en plus, on voit que son deuxième effet, il est fait pour le crocodile violet-jaune. Parce Oui. que du coup, le crocodile violet-jaune, il vous remet un don actif quand vous faites don moins 1 durant le tour adverse. Donc lui, littéralement, il dit, dès qu'il va me taper, je vais pouvoir récupérer un don gratos. Du coup, non mais Ah, du coup, très très intéressant. sympa. Alors, par contre, le seul truc, c'est que quand il arrive, il fait rien pour le board, quoi. C'est juste du soin. Est-ce que ça va suffire? Je sais pas, parce que c'est des decks qui ont besoin de reprendre le board. C'est pour ça que tu joues des cartes comme King, notamment. Compliqué, compliqué, mais bon, on verra. Nous avons Miss Val. Ouh là là.
C'est en train de ramer. C'est en train de ramer. Ça tourne depuis un certain temps et du coup, tout c'est chaud. Normalement, au niveau de la parole, c'est bien et on va. Excusez-moi. On va rebaisser la température tranquillement du PC, ce qui va permettre de réavoir l'image. Mais en attendant, nous avons du coup Miss Valentine. Miss Valentine, c'est une 2000 pour 2 avec Counter 1000. Regardez les 5 cartes du dessus de votre deck. Prenez une carte Baroque Work et mettez-la dans votre main. Trigger donne moins 1, jouez cette carte. Est-ce que je t'ai parlé de l'archétype Baroque Works? Non, là clairement, bah, sacrée carte. On te fait un tuto. Alors, par contre, comparé à une amie, donc, elle coûte 1 de plus. C'est censé être compensé par le trigger. C'est une bonne chose quand tu joues jaune, hein, avec la tendance de jouer sur tes triggers. Quand tu joues bleu-violet, moins. Mais ça va permettre de faire un deck Baroque Works giga stable avec le crocodile bleu violet. Parce qu'on a déjà l'événement Baroque Works pour un qui va tuto une carte Baroque Works. En fait, est-ce que c'est pas. Moi, la manière dont je l'ai vu, c'est Nami, mais comme elle a un trigger, on lui a mis plus un. Ah oui, mais littéralement, dans le jeu, à chaque fois, peut-être ça se voit notamment avec les petits bloqueurs à 1. C'est genre bloqueur à 1, sans rien, sans counter. Ça coûte 1, tu lui mets le counter sur le côté, ça coûte 2, tu lui mets un trigger, ça coûte 3. Mais elle, ce qui est fort, c'est que mine de rien, tu peux faire des sortes de petites loupes avec l'événement en bleu. Tu sais, avec l'événement en bleu, tu récupères elle, avec elle, tu récupères l'événement bleu, avec l'événement bleu, tu récupères elle, et à chaque fois, avec ton crocodile, tu pioches des cartes bonus, vu que tu fais un événement. C'est vrai. Parce que ce qui est fort, c'est que le sort va chercher une carte Baroque Works, et elle va chercher une carte Baroque Works. Normalement, on est revenu. Voilà, on me change, je pars un week-end, on me change tout dans ma chambre. Si j'ai un ventilateur au cas où, c'est parce que quand je fais des conneries comme ça, j'ai envie de pouvoir rebaisser la température vite, mais forcément on me l'enlève, alors du coup je peux plus le lancer. Non mais voilà, c'est. Moi je trouve ça cool qu'ils mettent tout le temps ces petits tuteurs là. Ces tuteurs là, ouais. Etc., qui permettent aux archétypes d'exister. Et c'est très très cool. Attention, carte la plus intéressante de la review, l'eau. 7000 pour 5. Voilà. Déjà, la carte est magnifique. Putain, déjà. Ta mère, elle est belle. En plus, les 7000 pour 5, on sait que c'est fort. Ça se voit, hein, de manière générale, c'est beaucoup joué, les 7000 pour 5, Valmia. Il est Dressrosa. Il a double tribe intéressant, lui. Dressrosa, donc, pour Rebecca. Pour Rebecca. Et Earth Pirate. Source un piège, lui, pour... Je sais plus. Beppo. Pour Isho. Ah, Isho. Parce que... Isho permet de jouer des cartes noires vertes. Et le lot qui restand, T5, il restand des supernovas. Ou des Earth Pirates, c'est vrai. Parce que lui, au final, il n'est pas supernova, ce lot. Ça, c'est un truc important. Ouais. Il n'est pas super. Ah oui, tu peux pas aller le chercher avec. On va le truc Bonnie. Avec Bonnie. Mais bizarre, du coup, avec Isho, bah, il va pouvoir taper, se restand. Potentiellement taper plusieurs fois avec l'autre lot. La carte est très très belle. Moi, je ne serais pas contre avoir. La première communale tarte. Oh putain. Ou foil, ou je sais pas quoi, parce que vraiment la carte est magnifique. Je t'aime beaucoup. Mais bon, on va pas passer 8 ans, parce que bim, Yamato. Yamato et celle-ci, elle est belle. C'est une Yamato en jaune. On rappelle qu'avec le starter deck jaune Yamato, on a des Land of Wano jaunes. Du coup, elle tombe parfaitement là-dedans. Elle est 9000 pour 9, Land of Wano. Quand vous la jouez, vous pouvez KO un de vos adversaires avec un coup égal ou inférieur au total de vie entre vous et votre adversaire. Puis, si vous avez une ou moins de vie, vous pouvez rajouter une carte du dessus de votre deck dans votre base de PV. Donc, cette carte, Poupette, elle est compliquée. Parce qu'elle est très situationnelle, en fait. Il y a plusieurs conditions partout. Il y a une première condition par rapport au point de vie que tu as, toi et ton adversaire, puis après, tu as une condition si tu n'as plus assez de points de vie. Mais, dans les cas où ça se passe bien, ça peut être giga fort. Genre, toi, tu as un point de vie, l'adversaire en a 3. L'adversaire lui dit hey, « je suis serein, je suis bien ». Vous jouez ça, vous tuez son T4, vous rajoutez un PV. Ça peut faire mal, quand même, hein. Moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer des decks ultra contrôle. On va se monter les points de vie. On va pas taper les points de vie de l'adversaire. Et avec cette Yamato, on va tuer des T10. Non.
Non, mais lui, ça marchera pas. Mais arrête! Bim! Qu'est-ce qu'il y a, Kaidonis? Tu meurs! Je suis ta fille et je te. Blim! Si tu veux faire ça, je te conseille plutôt d'aller jouer noir jaune avec ta Big Mom. Tu sais qu'il va réduire les niveaux en face pour les détruire facilement aussi. Ce sera plus efficace que d'augmenter tes points de vie à 10. Tu vois, vaut mieux que tu réduises les points de vie. J'ai des bonnes idées, je m'appelle Drake. Mais, ah ouais. Mais par contre, ce genre de carte, tiens, avec Queen qu'on a vu tout à l'heure, ouais. Ça coûte 9, c'est parfait. C'est vous pouvez faire ça. Faire une destruction, récupérer un point de vie, taper avec Queen, payer un qui vous reste pour récupérer encore un point de vie. Jaune, il y a une, il y a des couleurs comme ça qui n'ont pas beaucoup de grosses créatures. Jaune, il y a de la giga concurrence. Hein. Entre les deux Big Mom, Katakuri, 7 Yamato. Est-ce qu'on va faire des decks où en mode, vas-y, je mets tout. Mais genre... Et à chaque tour, je gagne un point de vie. C'est ça, ça te fait gagner des points de vie. Genre, du coup, gagner un point de vie, ça te fait piocher une carte. Des fois, même si tu n'as pas beaucoup de points de vie, hein, c'est intéressant, tu vois, de tuer un petit chopper, une petite bonnie, tu vois, genre au pire, bon, tu la joues, tu gagnes un point de vie, tu tues un petit truc, ça t'a posé une 9000 sur le board. Ah, clairement, c'est et... ça. En fait, faut pas, je pense, en effet, faut pas viser de détruire des gros trucs. Vous trouverez toujours une petite créature. Et c'est surtout que c'est une carte de comeback. Parce que toi, t'as un point de vie, ok, mais t'as pas beaucoup de taper l'adversaire et il lui en reste 4. Bah, tu tues quand même un T5 et tu te remets un PV. Bah, c'est les cartes qui sont giga fortes. Quand vous cherchez pas à menacer l'adversaire, vous êtes juste en mode traîne de bord, traîne de bord, traîne ouais. de bord, et lui il est en mode je donne tout pour t'achever, et à chaque fois tu fais plus 1, c'est plus ça 1, contre, plus 1. Contre un Zoro ou un truc comme ça, tu lui tues tout ce que tu veux, tu te remets un point de vie, et tu lui dis bah voilà, moi j'ai une 9000, hein. T'as perdu ta carte, t'as perdu ton tour, tu m'as tapé, j'ai repris le PV, mais toi, et voilà. Non, je trouve... Ouais, et puis c'est ça, là, Yamato est en jeu après, ça va traître, ça va tuer. Je l'aime bien. Carte intéressante. Et nous avons Sasaki. Sasaki, du coup, un Animal Kingdom bleu, il est 4000 pour 3. Quand vous le jouez, vous pouvez renvoyer l'entièreté de votre main dans votre deck et repiocher autant de cartes. Et c'est un counter 2000. Et bien, Poupette, c'est un sacré counter 2000, ça. Bah, il est giga fort. Voilà. c'est wow. Poupette. Wow. En fait, dans bleu, généralement, tu vas jouer le. Enfin, dans tous les decks. Mais surtout en bleu, à chaque fois, on est là en mode putain, les counters 2000, ils sont tous nuls. Non, lui, il est pas nul. Non, c'est pas vrai, ils sont pas nuls, les counters 2000. En fait, mais c'est généralement, tu joues en priorité celui qui est dans ton tribe. Tu sais, genre, par exemple, tu joues de la pioche Impel Down, tu joues celui qui Impel Down. Tu joues des cartes. Il joue sur les Seven Warlords, il prend le Seven Warlords. Mais souvent, du coup, on mettait un peu genre Alvida, tu vois, tu sais, un peu on dépanne. Bah, lui, mine de rien, ils l'ont pas trop nerfé en termes de stats. Hein. Il a perdu que 1000. 4000 pour 3, comme les autres Sasaki d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est la règle. Hein. Oui. Sasaki, c'est une 4000 pour 3. Hein. Et qui est counter 2000 d'ailleurs. Hein. L'être en violet. Oui. On l'a vu tout à l'heure dans les prices de tournoi. Et en plus, ça se trouve, est-ce qu'on va enfin choper notre tuteur Animal Kingdom? Et ça serait monstrueux pour le Kaido bleu-violet. Je sais pas si c'est tuteur, mais ça déjà c'est bien, tu vois, parce que et... c'est-à-dire que c'est un counter 2000, et si vraiment t'es dans la merde, ça te refait ta main. Et tu peux refaire la main. Alors, en plus, t'y perds pas grand-chose, parce que quand il y avait le sort qui faisait ça de Luffy, mais c'était un sort, où ça faisait rien. Lui, quand vous jouez, il est quand même sur le board, il fait de la présence. Et puis 4000, c'est pas ridicule. Hein. En fait, 4000, ça peut vite faire un trade. Ça coûte 1 pour refaire ta main. Parce que, en fait, c'est une 4000 pour 2. Et pour 1, tu refais ta main. C'est ça. Ouais. Ça, franchement, mais pour 1, tu refais ta main, ça coûte pas cher, je trouve. Hein. Tu peux le voir comme ça. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu ça. Mais donc, ça, ce qui est bien, c'est que c'est. Faut dire que les counters 2000, leur intérêt premier, c'est que c'est des counters 2000. Et que l'effet, c'est un bonus. Et quand c'est un bon effet. Bah, c'est giga fort. Ça, c'est des cartes comme Otama, comme Izu, qui sont des counters 2000, qui ont un tribe intéressant, et qui en plus ont un bon effet. Et c'est beaucoup. Makino, on pense à toi. Voilà, et du coup, on avait effectivement cette dernière carte. Cette dernière carte, la carte du Osef. C'est Daddy je sais pas quoi là, sa mère l'a mangé de cracotte. J'ai jamais vu ce personnage dans One Piece, je sais pas d'où il sort. Apparemment c'est au tout début à longue taille. Parce qu'en fait il est c'est son tribe, il est East Blue. Donc ça va être au tout début tu sais c'est genre c'est pour l'extension d'avant, ils se sont dit tiens on va balancer ça. C'est Daddy Matterson qui est un ancien Navy et qui est East Blue. Ce cher Daddy Masterson. C'est pas... Attends, c'est pas un tas là? Le truc avant le pré. Écoute, c'est un tas, toi tu ça fais. Tu ouais, peux c'est... faire ton domo. Ton domo arigato?
Mais Ah, moi, je vois d'accord. ce qui est écrit dans la traduction. Hein. Ah, oui, c'est ça. Ok. Masuta. Ok, d'accord. Masuta. Masuta. Ok, Masuta. Comme Oh, master. En fait, fils du Masterson. master. Ouais. Non, mais oui, c'est du japonais. C'est bon. Masuta. Masuta, d'accord. Oui, Masuta, Master. Oui, Masuta. Bah oui, bah, pourquoi pas. Du coup, pour 4, c'est une 5000 en vert. Et si vous lui mettez un don dessus, elle se détape. Tout le monde s'en bat les wecs. Bah disons que quand c'est un bloqueur, genre kid, ça a de l'intérêt. Quand c'est une créature qui est sous-statée, ce 4000, normalement c'est des T6, enfin c'est des 6000 de puissance pour 4. Là il a que 5000, et en plus, attention, il n'a pas le counter sur le côté. En C'est. plus, on lui a enlevé le counter, tu vois. Non, il aurait le counter, bah lui ça serait une excellente carte. Quand même, parce que ça voudrait dire que tu pourrais t'en servir pour te défendre, il préfère du board, il préfère des trades et rien craindre, ce qui est fort quand même, hein. Pouvoir se détaper. Pas mourir et pouvoir retaper à chaque tour, c'est fort. Mais le problème, c'est qu'il faut lui remettre un don à chaque fois. Et il a pas ce counter, ce qui fait que le problème, c'est qu'en vert, on a déjà énormément d'excellentes cartes qui n'ont pas de counter. Tu sais, t'as l'eau, t'as Yamato, t'as les grosses cartes avec les Ça va Oden, pour le un. Kid. Ça fait trop là. Est-ce qu'on peut avoir un Après, bloc counter dans le deck? faut juste voir bah, lui dans la mécanique is blue. Peut-être qu'il aura de l'intérêt avec Kuro. Oui, d'accord. Ok. Ok. Mais j'y crois Ok. moyen. Ok, je l'avais pas vu. Pourquoi pas? Bon, c'est Isblue, du coup il peut se Ouais, faire tuto par pourquoi pas? Nami, il peut servir pour l'effet de Kuro. Pourquoi pas, Kuro n'est-ce qu'on pas? n'a pas beaucoup vu hein, au final. Hein. Non, qui a été. On en a vu un peu au tout début et puis il a fait pas. Du coup, bah écoutez, peut-être que ce sera la carte de clan. Je ne crois pas. Voilà, c'est tout pour ces grandes lignes qui étaient bien assez longues. Excusez-moi, j'étais un petit peu fatigué. J'ai été sûrement moins efficace que d'habitude, mais heureusement, Terek est là, il Je me fait le taf. suis souvenu, Volvi, d'un sujet qu'on n'a pas abordé, qu'on a dit Oh, peut-être qu'on aborderait oui, très vite la fait. triche. Il y a eu un La tricheur, il triche. s'est fait éclater la gueule. Voilà, ma chère. Décu banné. Hey! Bah voilà. Mais au moins, ça nous dit, les mecs, ils sont sérieux. Ils voient une triche, c'est Décuban. Tant mieux. Eh ben tant mieux qu'ils aillent jouer à Magic. On vous fait des gros poutous. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Dans les Grandes Lignes. Salut à tous! À bientôt les gens. Ouais.